messieurs, bienvenue dans le monde merveilleux de la couleur. Pour répondre à certaines questions sur les commentaires, c'est uniquement de la peinture à l'huile que je fais. Uniquement de la peinture à l'huile. Depuis 60 ans. Le papier bleu qui est ici, je le prends dans un garage de débosselage, peinture, débosselage, body shop qu'il appelle. Il prend ce genre de papier pour remplir les rétroviseurs, les roues, avant de peinturer. C'est un papier plastifié, et puis on peut mettre la peinture là-dessus, la garder pendant quelques jours, sans qu'elle sèche. On peut rouler le papier, le dérouler après et s'en servir à nouveau. Intéressant. Alors, c'est uniquement de la peinture à l'huile. Là. Rouge. Bleu. Rouge, bleu et blanc. Un petit peu de gris foncé au travers du bleu ultramarine. Là. Un petit nouveau aujourd'hui, une petite chose à vous montrer dans la peinture. Là. Du bleu. Bleu outre-mer et blanc. On remplit le ciel, on va le parler un tout petit peu avec du blanc. On touche le rouge des autres couleurs et ça lui donne une sorte de bleuté violacé. Là. Encore du blanc moelleux. Il va s'en sortir un gris très pâle. On mélange bien les couleurs, l'une dans l'autre, des mouvements dans le ciel. Le vent balaye les nuages pirouettent et contournent et donnent toutes sortes de formes. Et nous, quand on est sur l'eau ou sur terre, on regarde le spectacle. On regarde le spectacle des nuages. La danse des nuages. Pourquoi ici? Pourquoi pas? Là. On va remplir. Maintenant, à la soupe. On peut aller à la soupe avec une petite cuillère pour les yogourts. Là. Comme je disais, il
faut toujours manger la pudding avant et la peinture après. Terre d'ombre brûlée, bleu ultramarine avec gris de peine foncé. Là, avec la cuillère, on va lui donner la forme d'une montagne. La forme d'une montagne. Terre d'ombre brûlée, brun de Van Dyck, brun très foncé. Bleu ultramarine. Qu'est-ce qu'on fait ici? On lui donne encore une forme avec le bout de la cuillère. Ça va bien. On continue, on lui donne la forme avec la cuillère. J'avais perdu une spatule, je cherchais ma spatule et je ne la trouvais pas. Et puis, quand j'ai regardé la cuillère dans un pot sur ma petite table, j'ai dit « pourquoi pas ?» On continue. Là. On va aller chercher le coin de la spatule ici. Il n'y a pas de coin parce qu'elle est ronde. Mais il y a comme une lame sur tout le long. Là. Et voilà. Maintenant, un pinceau. Celui-là ici. Le même pinceau que pour le ciel. J'ai pas mis de couleur après le pinceau. J'ai simplement étiré ce qu'il y avait. De retour à la spatule, avec du blanc pâteux. Là. Dans l'autre sens aussi. Terre d'ombre brûlée. Un peu de terre d'ombre brûlée. Il y a le bleu à cause des glaces. Un peu de gris.
un peu de blanc, qu'il soit pâteux ou glissant. Les deux font bien l'affaire. Terre verte, gris de peine. Terre verte et gris foncé. Du gris foncé toujours, avec du terre verte. Maintenant, on va travailler l'angle du pinceau. On va le travailler sur l'autre sens. On peut même travailler avec l'éventail aussi, parce que plusieurs aiment travailler avec l'éventail plus qu'au gros pinceau. Vert foncé avec gris foncé. Certains arbres plus hauts que les autres. La spatule au travail. Vert foncé et gris foncé. On voit bien ici, Guy? On voit bien? Parfait. Sapin, épinette, pin, pruche. J'allais à Labrador, j'arrêtais souvent prendre des photos avec mon coup d'œil, des photos, des arbres incroyables. C'est incroyable, comme c'est beau, un Grand Nord. J'adore les paysages du Grand Nord.
On va égaliser en bas. Du jaune avec du blanc moelleux pour bien mélanger là. Un petit peu de rouge pour tricher un peu. Les arbustes, 3, 4, 5 pieds de haut, les feuilles qui se promènent au vent, beaucoup. Les arbustes fleuris. Là, les arbustes fleuris. Un autre pinceau de 2 pouces. Bleu outre-mer, bleu ultramarine ensemble. Un beau bleu, ciel de jour, ciel d'été, un beau ciel d'amour, là. On a du pâle ici. C'est très bien. On remplit bien le bas. On remplit bien le bas. On va prendre celui-ci. Un est dans l'herbe et l'autre est dans l'eau. Vert et gris, toujours dans le foncé. Vert et gris toujours.
on vient flatter au sens faible des poils. Les ombrages sur l'eau. On va croiser les couleurs sans pression. Voilà. Le vent vient toucher l'eau et l'eau bouge un tout petit peu, mais pas partout. Le vent arrive et repart, il tourne, le vent tourne. Des endroits qui ont de l'écume et d'autres endroits qui n'y en a pas. Du blanc ici. Sur la lame seulement, de côté comme ça, et non sur le plat. Parce que sur le plat, ça ferait des grosses vagues, les vagues d'Hawaï, les vagues du Mexique. L'eau bouge un petit peu. On a le blanc ici. Ouais. Le vert foncé, le gris foncé. Un petit peu d'automne, un petit peu de couleur d'automne. Un peu de fleurie. Quand on marche dans les champs, une mer de champs, un océan de champs, c'est incroyable, toutes les sortes de fleurs qu'il peut y avoir, les couleurs. Et si on veut,
faire de la finition à la spatule ou avec la cuillère. De la neige dans le haut. Et dans le bas, on peut faire un peu de roche, de la calcaire, avec la spatule. En tapant avec la spatule, on peut faire un petit peu de nuage si on veut. Mais j'aime bien le ciel comme ça. On s'est fait une série d'arbres de montagne, de forêt à l'arrière, entre les arbustes d'en avant et les montagnes. Il y a des étoiles fluviales qui se font souvent. Hein? Souvent des étoiles fluviales qui se font. Alors, il nous reste 15 secondes, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. OK? Bye. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.